qu'on a voulu faire dans ce livre, comme vous l'avez dit, c'est essayer de donner une image un peu différente de l'image dominante de la commune, hein, parce que bien sûr l'image dominante de la commune c'est un peu celle qui est sur la couverture même du livre, c'est-à-dire des barricades et la semaine sanglante à la fin, donc une insurrection et une guerre civile. Et ce qu'on a voulu faire, c'est montrer essentiellement deux aspects, comme vous l'avez dit, la diversité de la commune et aussi l'importance de l'apport de la commune à la question de la démocratie. Donc il y a, je dirais, une présentation générale, mais il y a aussi une volonté de montrer ce qui s'est passé pendant le gouvernement de la commune, pendant les deux mois où les communards ont dirigé Paris. Donc c'est une insurrection très populaire et qui va avoir pour grande caractéristique la participation de gens qui n'étaient pas accoutumés à participer aux politiques. Et c'est en ça que la commune est originale, et particulièrement deux grandes minorités. Enfin, pas vraiment des minorités, mais des gens qui étaient en dehors de la citoyenneté, c'est-à-dire les étrangers et les femmes. Et ce qui caractérise la commune, c'est d'avoir vu cette participation extraordinaire de femmes comme Louise Michel, comme Elisabeth Dmitrieff, comme Nathalie Lemel, y compris des femmes de peuple qui ont trouvé dans la commune l'occasion de parler, de s'exprimer, voire même de combattre sur les barricades. Et pareil pour les étrangers, ils ont été très nombreux, des Polonais, des Hongrois, des Italiens, des Belges, à participer à la commune, au point que le ministre du Travail de la commune est un ouvrier hongrois. Donc ça, c'est peut-être le point le plus fort, et ça, c'est parce que dans la commune, il y a une démocratie à la base. Il n'y a pas qu'une démocratie d'élection. L'idée de la commune, c'est la souveraineté du peuple ne peut pas être abdiquée. Le peuple ne peut pas abdiquer sa souveraineté dans la main des élus. Donc le plus important dans la démocratie, c'est bien sûr l'élection, mais c'est ce qui se passe entre les élections. Donc que le peuple puisse participer, y compris celui qui n'y est pas accoutumé. C'est comme toutes les insurrections, c'est très mystérieux comment ça bascule. Le 18 mars, l'armée veut récupérer des canons qui appartenaient aux Parisiens après le siège par les pressions, par les Prussiens. L'armée de Versailles, hein, du gouvernement qui s'opposait à Paris. Et quand il monte sur la butte Montmartre, au petit matin, qu'est-ce qu'il rencontre? Il rencontre les blanchisseuses. Les blanchisseuses qui allaient travailler sur les lavoirs à 5h du matin, parce qu'elles faisaient des journées de 15h. Et donc elles voient qu'on va leur prendre les canons du peuple, elles vont essayer de convaincre les soldats. Petit à petit, le peuple va monter. Le général qui commande cette action va vouloir faire évacuer le peuple. Le peuple ne s'en va pas, il va commander feu. Et là, c'est là qu'en quelques secondes, on bascule hein, dans le mystère d'une insurrection. Il commande feu et les soldats ne tirent pas. Et l'insurrection déclenche. Mais si les soldats ne tirent pas, si les barricades se mettent partout dans Paris, c'est aussi parce que les femmes ont été les premières à convaincre les soldats en leur donnant du lait à boire, mais peut-être aussi des alcools plus épicés, je dirais, de ne pas tirer sur le peuple. Donc ça, c'est comme ça que commence l'insurrection. Ça se débouche sur une élection, et ensuite cette forme de démocratie où participent des gens du peuple et des minorités qui n'étaient pas à l'époque les étrangers, ils ne l'ont pas encore d'ailleurs, n'avaient pas le droit de vote, les femmes n'avaient pas le droit de vote, et donc c'était des mineurs légaux finalement qui pouvaient participer aux décisions. Donc ça, c'est quelque chose de très fort. Et aussi, ce que vous avez dit sur les différences, c'est vrai que la commune est très différente. Alors il y a une sensibilité commune, par exemple, une sensibilité humaniste et de justice, c'est tous les communards. Par exemple, quand ils brûlent la guillotine, plus de 140 ans ou 130 ans avant la fin de la guillotine, de la peine de mort, c'est en référence à Voltaire. Ils le font devant la statue de Calas. Donc il y a une sensibilité commune de justice, une sensibilité très humaniste, c'est tous les communards. Mais il y en a qui sont libertaires.
Par exemple, un artiste comme Courbet, ce qu'il veut, c'est que les artistes autogèrent les Beaux-Arts. Et donc là, on a beaucoup écrit sur les artistes et la commune, parce qu'ils ont voulu faire une autogestion des Beaux-Arts, en disant que ce n'est pas à l'État de gérer le ministère des Beaux-Arts, mais c'est à nous les artistes. Au contraire, il y en a qui sont beaucoup plus, jacobins, révolutionnaires, et plus ceux qui travaillent, par exemple, qui sont anticléricaux, donc ils arrêtent des curés ou des prêtres parce qu'ils considèrent que ce sont des ennemis de la Révolution.